Vous êtes justement l'un des doyens des artistes ivoiriens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Doyen, c'est un peu trop dit, hein? Parce que les doyens sont encore vivants. Faut pas leur arracher le trône. Je les salue au passage, tels que Abel et Pierre, tels que Allemand Brou Félix, tels que la sœur Komoué, etc. Et puis il y a d'autres doyens beaucoup plus proches encore, tels que les Baïs Pinto, les Diago Strong, tout ça, d'autres qui sont venus longtemps avant nous, que je salue au passage. Bon, mon parcours est simple. Nous avons fait un duo avec Pierre Sabine et moi dans les années 80 et 90. Et à la fin des années 90, nous sommes séparés. Chacun a commencé à évoluer individuellement et jusqu'à ce que nous venions ici aux États-Unis. Et ici, j'ai dû faire autre chose. Après avoir enseigné quelques années, j'ai dû faire autre chose pour pouvoir vivre et pouvoir maintenir, être indépendant. Mais parallèlement, j'ai toujours travaillé dans la musique. J'ai mes propres activités de musique. Actuellement, je peux, si on le prend comme ça, tout de suite là, tout de suite, je sors trois albums sur le champ. Wow. Ouais, au moins. Que pensez-vous donc du coupé décalé, de ce groupe, de Mapuka, ces rythmes de musique-là? Que pensez-vous de ces En tout cas, c'est bien. Le Mapuka, ce qui ne m'avait pas plu, c'était l'aspect un peu obscène de temps en temps. Bon, c'était pas bon, mais tout le monde a reconnu cela, tout le monde a admis cela. Et à côté de cela, il y a eu du bon Mapuka. Le Zouglou, ça a donné une certaine identité culturelle. Voilà, une certaine identité culturelle, une certaine identité aux Ivoiriens, surtout à la jeunesse ivoirienne. Et surtout que c'était surtout fait par les étudiants, les intellectuels, ils savaient de quoi ils parlaient. Bon, aujourd'hui c'est un peu en baisse parce qu'il y a le coupé décalé qui est venu, mais je crois qu'ils ne doivent pas abandonner. Ils doivent pas abandonner. Et le coupé décalé aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. Bien que souvent ils chantent, ils mélangent les langues ivoiriennes et puis d'autres langues africaines. Bon, il y a certains à qui ça ne plaît pas, mais moi ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas personnellement. J'encourage beaucoup. J'ai entendu dire que dans le groupe Magic System, il y aurait une sorte de tentative de division entre leur manager et le groupe. Bon, je profite de votre micro pour leur dire que je ne les encourage pas à cela. On ne casse pas une équipe qui gagne. C'est ça. Faut pas qu'ils pensent que le manager tout seul pourra évoluer ou bien le groupe tout seul sans le manager pourra évoluer. C'est la paire qui a fait le succès, il faut continuer. Il faut qu'il continue. Et tous les autres groupes aussi, je les encourage à continuer. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à travailler de plus en plus. Ouais. Fidèles internautes, suivons ensemble Peter Watt dans une prestation.